Là, je vais simplement te demander à 3 de retrouver le même niveau de catalepsie que tu avais quand tu étais bien raide. À 3, tu retrouves le même niveau. 1, 2, 3. Et progressivement, tout le corps est en train de devenir rigide. 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 Tu le sens ? Voilà. Donc là, je le suggère en m'appuyant sur quelque chose qui vient d'être fait. Et ton corps devient rigide, rigide, comme s'il était dans une armure. Tu le sens ? Impossible de bouger. Comme dans une armure rouillée, qui représente tous les blocages qui t'empêchent d'avancer dans la vie. Et là, tu vois, je vais travailler sur les blocages par rapport à un objectif. Je te demande si tu as un objectif particulier. Voilà, je voudrais que tu imagines, puisque là, quand je touche, il y a un casque, pareil, qui te permet juste de voir à travers les fenêtres du casque, les yeux, les trous, les fentes. Tu vas visualiser à travers les fentes du casque ton objectif de l'autre côté du casque. D'accord ? Tu vois ton objectif, tu le vois en couleur, tu le détailles, tu vois la situation. Tu mets du mouvement, tu mets des couleurs, tu rends les couleurs plus lumineuses, plus éclatantes, tu entends les bruits, les sons, mais tu ne peux pas accéder à cette zone qui correspond à ton objectif parce que l'armure représente les blocages qui t'empêchent d'y accéder. Alors je vais te demander de prendre une grande inspiration à 3, 1, 2, 3, de souffler. En soufflant, tu fais exploser tous les blocages, quels qu'ils soient, peu importe, ton subconscient connaît les blocages qui t'empêchent d'atteindre ton objectif, qui t'empêchaient d'atteindre ton objectif aujourd'hui. Et en soufflant, tu peux constater déjà le corps retrouve sa souplesse, sa mobilité. Et tu vas t'apercevoir, te surprendre que grâce aux compétences du subconscient, tu es en train de pouvoir déjà avancer. Et au fur et à mesure, vous voyez le corps qui commence à se dérigidifier, tu peux avancer d'un petit pas, peut-être de gauche, peut-être de droite, et avancer vers ton objectif. Et plus tu te rapproches de ton objectif, plus tu avances et plus tu prends conscience et plus tu libères les compétences, les capacités qui sont les tiennes. Quand tu es dans la scène, là, tu t'arrêtes. Tu t'es pleinement associé, tu vois les couleurs encore plus éclatantes, tu vois les images, tu ressens les sensations, tu entends les bruits, les sons. Et je voudrais que tu vives ça avec intensité et que tu puisses... Par exemple, j'aime bien des gestes forts, mais tu peux choisir celui que tu veux. J'aime bien quand c'est le poing serré, gauche ou droit, ou le pouce en l'air comme yes, tu vois, tu vas serrer, voilà, et tu vas répéter mentalement, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Et à chaque fois que tu serres le poing, tu retrouves exactement les mêmes sensations de l'objectif déjà réalisé, c'est-à-dire les images où tu es dedans associé avec les sensations, les émotions, tu répètes c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait, c'est déjà fait. Just do it. Il n'y a plus qu'à. Voilà, et je voudrais que tu aies de la gratitude pour ton subconscient. Pour tout ce qui te permet de faire, de réaliser, et là qui va te permettre de réaliser très rapidement, parce que plus tu vas activer ça dans la journée, plus c'est déjà fait. Et c'est déjà réellement fait quand tu es totalement associé là-dedans. Je vais laisser quelques instants de silence, le temps que le subconscient enregistre un texte, tout ce qui vient d'être dit et d'être fait. Et quand je reprends la parole, tout ceci sera profondément enregistré dans ton subconscient. À 10, totalement réveillé, les yeux ouverts, parfaitement détendu, relaxé, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, dans tout le corps. 1, 2, 3, 4, 5, les pieds bien au sol. 6, voilà, tu bouges les pieds, les mains, les jambes. 7, la tête. 8, tu peux t'étirer. 9, tu prends une grande inspiration. Et 10, les yeux ouverts. Bonjour. Il s'est passé des choses. Ça fait exploser des blocages, hein, des barrages. C'est pour ça qu'il y a des montées émotionnelles sans savoir lesquelles. Je n'avais même pas son objectif. C'est le prodige du subconscient qui, lui, quand tu vois un objectif, il suffit de dire les mots importants, de dire, voilà, il a les ressources pour y atteindre. Et là, je voudrais savoir, quand tu penses à ton objectif de 0 à 10 sur une échelle, à 10, l'objectif est atteint, 0, il n'est pas atteint, tu as combien maintenant ? 10. Tu étais à combien avant ?
Zéro. Zéro. Voilà, merci. Voilà, je t'en prie. Voilà, je t'en prie. C'est ça qui fait plaisir dans l'hypnose. C'est pas de jouer au héros, de dire que j'ai du pouvoir. Moi, ce qui m'importe, c'est donner le pouvoir aux autres. Chaque fois, ce que je reproche à ceux qui font l'hypnose sur de spectacle, la street hypnose, c'est que ils font ça pour jouer un peu au kéké. Moi, quand je fais ça, quand je fais des phénomènes hypnotiques, ce que je veux, c'est apporter des solutions à la personne. Je ne conçois pas l'hypnose de spectacle ou de street hypnose proprement dit, si derrière il n'y a pas un bénéfice pour le sujet, parce que jouer à dire regardez j'ai collé les mains et tout, oui mais à ce moment-là je vais rapprocher l'inconscient, le cerveau gauche, il y a toujours un but, je ne fais jamais à rien pour montrer quelque chose, moi je fais ça pour apporter des solutions à la personne, mais surtout pour lui donner envie d'aller plus loin par l'auto-hypnose ou comprendre, et du coup j'ai permis d'éveiller quelqu'un. Pour moi, ces spectacles-là, ils doivent éveiller les consciences et pas ridiculiser les gens à faire le French Cancan ou ci ou là. Ouais, je peux vous faire parler en chinois, je peux faire ça, mais ça ne m'amuse pas, ça ne sert à rien. L'important, c'est d'avoir... Ça fait plaisir, c'est génial. Merci, mais tu vas rester encore un peu.